Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Vocês podem estar estranhando que eu tenho aqui à minha direita André Oliveira, à minha esquerda Gabriel. Eles vão me ajudar nesta mensagem, que é uma mensagem, a mensagem número 5 da conferência Geração Final de julho de 2024. E será transmitida também domingo à noite como a palavra profética. E o título da mensagem número 5 é Onde eu estou e para onde vou? Leitura da Bíblia, João capítulo 17, versículos de 17 a 26. Nós vamos dar uma mensagem com uma interação dos dois irmãos que estão ao meu lado, e eu creio que a mensagem será muito enriquecida, né? Eu queria começar, para a gente ganhar tempo, porque tem muita coisa para compartilhar com vocês. Ganhar tempo, vamos para Hebreus capítulo 2, amém, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Daí vem o tema geral dessa conferência Geração Final: conduzidos. Porque nós temos alguém que está nos conduzindo. Amém. Conduzindo para a glória. Amém. Mas eu vou começar com a parte inicial desse versículo, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Eu vou usar King James atualizada, a versão King James atualizada, que diz: Deus, ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, né? Convinha que Deus. Versículo 10. Volta para o versículo 10. Volta para o 10. É. Isso. Está aqui com ela, irmão Pedro. Convinha. Eu tenho aqui, na verdade. Tá bom. Né? Convinha. Vou ler. Deus, por causa de quem e por intermédio de quem. Hebreus 2:10, tá? 2:10. Amém. Hebreus 2:10. Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir. Amém. Vamos começar essa palavra por aqui. E com isso eu posso acrescentar o título de Onde estou e para onde vou. Eu posso começar o título assim: Por que existo? Onde eu estou e para onde vou? Jovens, a sua existência veio de quem? Quem é responsável pela sua existência? E quem é a causa pela qual você existe? Você existe por Deus. Amém. Amém. Porque Deus assim quis. Amém. E você existe também por intermédio dele. Foi ele que te criou. Certo? Por isso, queridos jovens, antes de nós sabemos onde nós estamos, para onde vamos, nós precisamos saber por que existimos. Nós existimos é por causa de Deus. E nós existimos por intermédio. Um problema ver que lá conexão. Não deu bom sabor, porque não somos em si.
a sua vida não faz o mínimo sentido. John, ici votre vie n'a pas de sens si ce n'est pas pour Dieu. Pourquoi Dieu c'est qui a fait que vous ayez une existence. Lisez pour le chapitre 3. Jean chapitre 3. Toutes les choses ont été faites par moyen de lui. Et sans lui, rien de ce qui a été fait. Vous, par moyen du Seigneur, de Christ. Votre existence, c'est par Christ, c'est à travers de Christ. Allons-y. Um pouco, acho que ao final a gente vai para um portão. Ele é o melhor de vous e do meu mundo entier. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Criei. Par moyen e por lui. Vous êtes créé par moyen de lui et par lui. Ne fait pas de sens. Nous vivons pour lui. Pourquoi que Dieu nous a créés? Quel est Dieu quand il a nous créé? Si je demande aux adolescents, répondre tout de suite. Je ne sais pas si les adultes vont me répondre. Quelle est la volonté de Dieu? Ah, vous savez aussi. Et ça, c'est en Éphésiens 1, verset 9 et 10. Nous faisons connaître le mystère de la volonté selon la bienveillance de ceux qu'il avait formé en lui-même. En exécution, lorsque le temps de réunir toutes les choses en Christ qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors la volonté de Dieu, c'est de réunir toutes les choses. Toutes les choses do céu e de la terre. Para fazer isso, ele conta. Le Seigneur ele va compter avec la Église. Il a besoin de l'Église. Deus, né? Eu vou começar no versículo 19, tá? Oh, Senhor Jesus. Je vais commencer em 19. Ele é um vendo que criou l'infini grandeur de sa puissance se manifestar avec l'efficacité par la vertu de sa force. E em Cristo, ele ressuscitando e em Efésios, sa sua droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans la maison, mais encore dans les siècles à venir. Le Seigneur a ressuscité le Seigneur parmi les morts, il a fait le Seigneur s'asseoir. À sa droite, il a mis toutes les choses au-dessus du pied de Christ. Mais il a besoin d'être la tête sur toutes les choses. Le Seigneur a donné à l'Église. Et pour être la tête sur toutes les choses, l'Église, pour avoir l'autorité, pour avoir la plénitude et la domination, il a besoin de l'Église. Il veut utiliser l'Église pour faire que sa volonté soit faite
e de Duminisso Tutulas Mé, ele abençoa da bó, é dominei, rampile, a vecla verite. Ele abençoa da rampile, igreja, a vecla verite. Se saque de o entrando de fé, por concretizar a vontade de Deus. E por sa, Efésios 3, nós vamos falar pouco só, Efésios 3, 17, la façon pratique de Dieu nous remplit. Nesse ele não é um individual, mas ele veut faire um trabalho coletif. Ele veut remplir nous avec la parole. Je crois, je n'ai pas besoin de répéter, mais avec de remplir la parole. En remplissant avec sa parole, fait que Christ habite dans notre corps. Ce n'est pas un rempli vide. Il commence subjetivement à dominer notre corps, notre intelligence et notre corps. Notre adolescent, ils sont en train de faire l'immersion, la transcription, et nous, les capitaines, également, nous besoin de rentrer dans le même sens. Pour ça, nous avons besoin de la parole. C'est de remplir à nous. Et ça veut dire que Christ est à nous. Il est en train d'habiter dans notre corps. Un changement doit arriver, doit se produire dans notre vie. Nous sommes en train d'inculquer la parole. Une chose doit arriver. Un changement doit. Nous continuons la même personne, nous donnons le travail pour la mère quand on arrive chez nous. Et ça, nous avons besoin de la parole qui remplit notre corps, puisque Christ est dans notre corps. Quando diz foi, se dá na parola. Em amor, e a fim de poderes compreender com todos os santos, na sorte que Cristo habita, pela foi, panquetã, enraciné, fondé de l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints qu'elle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La façon de Dieu nous remplit pour dominer sur toutes les choses, il a besoin d'abord de dominer l'Église. C'est théorique, c'est une chose. Le Seigneur veut vraiment prendre notre corps, mais individuellement, pas faire ça. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre ensemble avec les frères la dimension de l'amour du Seigneur, avec tous les saints. C'est pour ça que nous sommes ici ensemble, en train de chercher ensemble, prêcher l'évangile. Et tout ça fait que nous puissions suivre la dimension et percevoir la dimension de l'amour du Seigneur, la dimension de l'amour de Christ. Pour que nous pouvons être remplis, puissions être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Je vais terminer déjà cette partie, alors je vais interagir à mes côtés. De cette façon, le Seigneur veut édifier votre Église, et pour que Christ puisse édifier l'Église et remplir toutes les choses, d'abord, le chapitre 4. Je veux le verset 7 dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il a dit, étant monté en haut et mené les captifs, fait des dons aux hommes. Dieu veut que Christ donne les dons aux hommes. C'est ça qui va marcher. Le verset 9, or, qu'est-ce que signifie
Ele é montanha, senão que ele se descendiu da região inferior da terra, de lui que descendiu. Ele tem a lei a l'enfer, Hades. E Cristo, ele abriu a clé e nos vê a meneda na região celestial. Deve ser, diz, se lui que descendiu, se ele mesmo que montou o desceu de tudo o céu, a fim de remplir. Ele a besoin d'être o desceu de tudo o céu por remplir todas as coisas. Irmãos, assim também, né? Pré, você não põe a caixa d'água, sim, né? Vou ver para meter lá a bota do, atender todas as torneiras, todos os lugares onde você precisa usar água, você precisa ler reservador, vou ver para meter para que desça por gravidade. O dever meta um reservador, o desceu de você mesmo. Aí começar lá, Lola vai a lei da Antônia, peça de voto mesmo. Alô, Cristo, a mim, Cristo, tu lê, Zandro, que são Anlo, da na parte ou de lá mesmo, o no Rampli. Ele é Cristo, ele é o desceu de tu lê. Sabe que ele é ali, mesmo ele é do dedos homens. Ele é do lesão como apóstolo, les outros como profeta, les como evangelista, les outros como pastor e doutor. O perfeccionamento da missão. O voo de louvo do ministério da edificação do corpo de Cristo. Deus, por que que Cristo, por que que Deus me criou? Porque ele vê que Cristo rampli todas as coisas. Por que ele vê que Cristo rampli todas as coisas? Porque ele vê a edificação da igreja. Porque ele abençoa que, através da igreja, Cristo possa entrar lá, teto de todas as coisas. E como sabe, ele pode dominar tudo e edificar. Ele abençoa de donar de dom aos homens. Ele abençoa de homens dom. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores, você passa por fazer um remplacement, mas você por perfeccionar, porque todo mundo precisa ser, todo membro. Graças ao Senhor, hoje, todos os adolescentes estão entrando a funcionar, mesmo os enfants estão entrando a fazer os cris de guerra. Nós avons de capitão de troupe, nós avons de entendão. Nós vamos toda a igreja entrando em funcionamento. Por uma fé que pessoa só a reter. Todo mundo a funcionar. Mec, professor na VRT, da na charité, da na bu, no coração da tu zegar a celui que é la tête, Cristo, le chef. O Senhor vê que através da terra, todo mundo funciona. Nós avons le corps, todo mundo bem coordoné, com uma solida assemblage. Todo mundo en amour. Como são, para produzir l'amour fraternel, produzir l'amour fraternel em chacun de nous. É um vertical e horizontal. Um então aqui diz bem ajustado e consolidado pelo auxílio. Se como um tissu, ele há le fils que são na horizontal e vertical. E todo mundo ensemble vão tissu. E junta as partes e todos os membros começado vão funcionar. Eles vão efetuar isso. São contribuição por la edificação de avec tout le monde en amour, de soi même en amour. Por que Jesus existe? Você sabe o sujeito da mensagem? Por que Jesus existe?
Le corps de Christ, il est difficile. Il est édifié par le monde de tous les corps de toi. Et comme ça, ça va avoir l'habitation avec tout le monde ensemble et on va avoir aussi un tissu. Et un vêtement, un tissu. Et quand tout le monde est ensemble et dominé par la tête qui est Christ, alors le Seigneur va venir. Alors, l'opportunité est. Gabriel, é, três riscos de poção, a gente está entrando a regar uma Bíblia. Tomar cuidado para não perder. Isso mostra que. É, a gente juge a fé na cristã em si da uma Bíblia. Nós já colhemos tanto. Dando um ponto de vida doutrinária, nós já acolhemos um pouco o livro de Efésios. Nos levar a viver a realidade dessas palavras. Mas, com essa mensagem, o Senhor viu que nós. É, marchando dans la vérité. Ce n'est pas une question de doutrine. Le Seigneur já mort. É. Alors, il est déjà dans le lieu plus haut du ciel. Mais pour que lui puisse devenir mon expérience et votre expérience, nous devons. Que está sua realidade. Être rempli, ça significa avoir Christ dans la domination de toutes nos ações. Il doit dominer notre volonté, encore beaucoup de contrôle sur nous-mêmes. C'est pour ça que c'est très important que cette parole soit inculquée dans notre cœur. Porque Cristo puisse habiter dans chaque partie de nous. Aleluia, j'ai touché dans les por meio de quem? E para a causa de qui? E par moyen de capitães? E por lui. Notre existence, c'est merveilleux, capitão. Então, parce que nous sommes dans le plan de Dieu. C'est pas un accident. Se já tem um capitão na chaise, já tem entrando e graça a Deus. Deus, existe por fé parte desse plano, desse projeto. Sabemos, par moyen de la parole, que ele trabalha par la parole. Eu vou arrêter, porque j'aime beaucoup avec le téléphone. Le travail que Dieu est en train de faire, de tout le monde différent de concept humain, Dieu est en train de produire un organisme vif. Quand la Bible dit habite Christ dans notre corps, signifie que Dieu veut commander, dominer sur les une forme vif. Ce n'est pas un enseignement logique ou théorique. Ce n'est pas une règle de conduite, mais c'est une chose vivante. Une chose vivante. Dieu veut gouverner. Comment qu'il va faire ça? Comment que Christ va commander votre vie? Allez-y, être pratique. C'est par la parole que ça va arriver. Quand cette parole est inculquée en nous, ça va arriver. C'est pour ça, frère. Ça ne sert à rien faire de Christ si vous n'avez pas encore. Si votre mère n'a pas perçu votre changement, c'est pour ça que ce n'est pas une question de spiritualiser les choses dans la ronce. Allez-y faire dans la réalité. Comment on va faire ça dans la réalité? Éphésiens, Marie, vous devez aimer votre comme Christ a délivré pour l'Église, afin qu'il soit sanctifié par la et soit nettoyé, né, purifié par la nettoyage de l'eau. Marie,
e mesmo forma como Cristo é meu livre, e se livrei lui mesmo por ele, a fã de la santifier par la parole. Après avoir purifié le baptême d'eau. Alors, depuis la chute de l'homme, l'homme est vide. Et beaucoup de choses ont rempli notre corps. Une personne dans cette situation, comment qu'il peut relier encore et être parti d'un être unique avec Dieu, si Dieu nous sommes devenus des personnes à plein péché. Por sei lá, frère, o Senhor a besoin d'être um corpo. Você precisa que ele a besoin de santifier a igreja e a nós mesmos. Como que ele pode admitir na igreja para ser o corpo de Cristo? Por sei lá, que ele trabalha se para a palavra. Por la santifier. Por meio da lavagem de água pela palavra. Para a palavra. Santifié par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême de la nettoyage de l'eau. C'est pour ça que nous faisons des émissions, nous sommes en train de parler les autres, et de cette façon, c'est nous nettoyer, va nous purifier. C'est comme la circulation sanguine. Le sang, ele transporta les nutrients e distribui transporta de oxigênio tout le corps, por toutes les cellules de notre corps. Ele não faz pas que esse trabalho de livraison, mas aussi ele faz trabalho de remoção. Nous n'avons pas besoin que de nutritifs, nous besoin que pas de l'oxygène, mais hein, aussi que toutes les choses qui pas bonnes soient la toxine de vieil homme, pour que nous soyons totalement rempli de la vérité e sonhou santifié por apresentar como a igreja gloriosa como uma igreja sans e sans defeito. C'est ça l'objectif do qual Dieu est en train de travailler. Je veux une église glorieuse, santache. Il est en train de faire l'église sainte à la gloire. Avant de moi retourner au Hébreu 2, un des frères pour complémenter. Graças à dynamique de la parole. Porque nous soyons sanctifiés par la parole, pour accomplir la volonté du Seigneur, nous ne pouvons pas se modifier. Palavras pessoais, interesses pessoais, ministérios pessoais não nos transformam. Mas le ministère personnel, ça va, mais le nettoyer de sanctification. E quando nós estamos entrando em coquê, na palavra, só vai changer notre nature. E nós vamos tomber como Adão, e nós vamos mantendo a oportunidade de retorno a Deus. Esse é o caminho da nossa geração. Essa é o chamado de nossa geração. Se é o chamado da palavra profética, de ruminar a palavra, de transcrever, de faire imersion raffinée, pendant ça, Dieu va obtenir ce qu'il veut. Cette église glorieuse, sans tache, sans ride,
revo do Senhor. Deus abriu esse caminho para nós. Depois vai me veio Deus nos ouvidos. Eu vou voltar para Hebreus capítulo Gabriel. Já vi retornei a Hebreus capítulo 2, você sanxis. Le Frère Dong, ele ame cette verset. Pois não foi a anjos que sujeitou a nefessa des anges que Dieu a assumir le monde à venir, dont nous parlons. Ou quelqu'un rendu quelque part de cette. Que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites, né? Vou complementar o versículo 7 e 8. Fizeste-o por um pouco. Que esquecer l'homme. De glória e de honra. Porque tu souviens de l'homme, porque tu prends soin de lui, tu l'as abaissé pour le temps au-dessous des anges et tu l'as couronné de gloire et de l'honneur. Tu as mis toutes les choses sous ses pieds. En effet, en lui, soumettons toutes les choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût. Fui soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes les choses nous soient soumises. Mais celui qui a été baissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous couronné de gloire de l'honneur à cause de vous pouvez voir ici l'importance de l'homme. Vous remarquez ça? Ah, frère, ne faut pas de sens que vous vivez ou vivez. Que se pá por le Senhor. Vous pouvez pas être consumé par le travail, par sa famille, por l'autre chose. Se não vive, portanto, irmãos, Deus nos criou e nos colocou propósito para o homem. Irmão, embora nós temos sido criados pouco menor que os anjos, se nós não vivemos para le Cristo, notre vie n'a pas de sens. Eu pensava que o Senhor a criasse por sumir. Bom, onde eu quero chegar com isso? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu fiz alguma coisa... O que GVRV está? GVRV... Para vocês entenderem melhor, o homem foi... Eu fiquei com aquele cachorro de si, por vou cumprir si. L'homme a été créé por sumir todas as coisas. Deus a criou l'homme por estabelecer le gouvernement de Dieu sur la vie, sur toute la terre. Si vous lisons ici le Genèse, chapitre 1:26, le béni, Dieu le dit, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de ciel, sur tout l'animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, alors ici, vous pouvez voir clairement qu'il y a l'homme pour avoir la toute la terre. C'est ça. Dieu veut gouverner la terre à travers de l'homme. Dieu veut établir son royaume dans cette terre. Et, mais cet royaume est établi par la vie. Ele colocou no meio do jardim, versículo 9, capítulo 2, Gênesis. Alors, do solo, Dieu a mis Deus brotou l'homme. Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também Dieu a mis un arbre dans le milieu do jardim. No meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dieu a mis l'arbre au milieu do jardim. Dieu a mis dans le milieu du jardin un arbre pour donner vie à l'homme. Parce que quand l'homme est venu, quand il vient dans l'arbre de la vie, il pouvait manger de cet arbre. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce.
le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement en vie. Eu pensava que peut-être vous avez pas compris que quand j'ai monté le livre d'Ephésiens, Dieu a un gouvernement déjà dans l'Église. Vous remarquez ça? Dieu va mettre Christ pour gouverner sur toutes les choses. D'abord, il va mettre ce gouvernement d'abord sur l'Église. E le gouvernement sobre o gouvernement organismo sobre o homem. Esse passo que você tem. Antes disso acontecer, antes do homem escolher a árvore da vida, entrou a serpente. Já vou governar. Satanás e enganou o homem e o homem quando Lom, ele a manjé de l'arbre de vida, alô, Dio pôde passar a árvore e pó através de Lom. Além de governar todas as coisas. Então, avant de ça s'arriver, vamos choisir l'arbre de la vie. Alors, la serpente est entrée en scène. La serpente, c'est une forme de la représentation de diabo. Ele a trompé l'homme. Ele corrompeu nossa mente, segundo a Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, ele te trompeu a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E dessa forma o homem se conectou com o pai da mentira, João capítulo 8, versículo 1. Então, por vossa anjo, vós sois o paletão dele, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha a que ponto o homem caiu. Deus queria governar todo o mundo, toda a criação, por meio do homem, mas um reino em vida, como um organismo vivo. É como se fosse um Deus, como um Cristo coletivo, governando sobre toda a criação. Mas o homem, que foi criado para esse fim, se contaminou, se estragou para esse propósito, Então, o que aconteceu? Irmãos, o pecado entrou no mundo. Romanos 5, 12. Acho que eu vou aproveitar já falar uma coisa. É uma luz que eu ganhei. Eu falei agora há pouco lá embaixo para os irmãos, na sala de comunhão, mas acho que já vou adiantando para vocês. Com a queda, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, leiam: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para a todos os homens, porque todos pecaram. Irmão, tem um ponto aqui que passou desapercebido por todos. Nós lemos e passou desapercebido. Aqui diz aqui: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Ora,
O mundo que nós sempre aprendemos é um mundo corrompido por Satanás, certo? E eu imaginava que Lúcifer, quem sabe milhões e milhões de anos, nem sei quantos anos, quanto tempo, antes da criação de Adão, ele havia se rebelado contra Deus. Então ele estabeleceu um outro reino, o reino das trevas, império das trevas. Então, na minha cabeça, ele corrompeu o mundo, corrompeu a criação. Mas, irmãos, aqui fala que o mundo não estava contaminado. Esse mundo. Ou estou errado? Está certo ou não? É por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, esse mundo não tinha pecado. Foi por causa da transgressão desse homem é que entrou pecado no mundo. Mas o que quer dizer isso? Aí, irmãos, eu fui considerar quando Satanás introduziu nesse universo um outro reino, reino da mentira, reino das trevas, e corrompeu também a terra. Por quê? Porque Gênesis 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Certamente, este foi o resultado da rebelião de Lúcifer, rebelião de Satanás. Estou certo ou não estou certo? Mas Deus restaurou a sua criação aqui na terra, porque a partir desse momento, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí Deus disse, haja luz, e houve luz, né? E Deus no segundo dia criou o firmamento, terceiro dia terra seca, e assim por diante. No sexto dia Deus criou o homem e falou para o homem, eu criei você para você governar essa terra. Então o mundo que se refere aqui, esse mundo recriado por Deus. E neste mundo recriado por Deus, não havia pecado. Ou estou falando errado? Porque ali em Romanos 5:12, por um só homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens. Então a queda do homem, quando Eva foi enganada pela serpente, parece uma coisa tão, tão ingênua, tão inocente, mas aquela desobediência abriu porta para Satanás entrar no mundo, através do pecado, através da morte. E aí ele se apossou desse mundo, e Jesus disse, né, ele é o príncipe desse mundo. Ele usurpou o reino desse mundo que Deus havia recriado, e estava tudo puro. E de repente, por causa do homem, tudo foi arruinado, com a transgressão do homem. Então o mundo, aí sim vocês vão conseguir entender, né? Depois nós vamos falar sobre os três tiros que Satanás deu, porque nós tínhamos muita influência do mundo. Então esse mundo, tá, ficou corrompido. Esse mundo está nas mãos do pai da mentira, né? Vamos lá, talvez Efésios 6, por exemplo. Efésios 6. Já estou saindo fora do script, tá? Meus companheiros aqui vão ficar meio perdidos aqui, tá? Pode ir, irmão Pedro, a gente está te seguindo. Vai lá aqui. Versículo Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo das trevas. Esse mundo não tinha isso, mas com a queda do homem, esse mundo se tornou esse mundo tenebroso, porque Satanás se apossou. Ele veio ser príncipe. Aí ele introduziu os seus generais, né, o seu exército,
para se apossar dessa terra, que são os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo por causa do homem, quando desobedeceu contra Deus, né? E, ó Senhor Jesus, como é que, se por um homem, pelo erro de um homem, o mundo se abriu para Satanás usurpar? E também, irmãos, é por um homem, nós vamos redimir esse mundo de volta para Deus. Romanos 8. Romanos 8. Senhor Jesus. Fora do script, tá? Vamos ver se a gente consegue retornar. Vamos lá. 8. Romanos 8. Aqui prova que, da maneira que eu interpretei, está correto. Por quê? Por um homem, pelo erro de um homem, o pecado entrou, a morte entrou, Satanás se apossou. Aí ele trouxe os principados de potestade dele e domina esse mundo, certo? Mas nós podemos libertar esse mundo. Amém! Isso, vai! Nós podemos libertar esse mundo. Nós podemos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque esse mundo está sofrendo. A criação sofre. Porque a criação não foi criada também para estar sujeita à corrupção. Pois a criação está sujeita à vaidade. Porque saiu, irmão, saiu da conexão com Deus verdadeiro, tudo é vaidade. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Irmãos, essa criação sofre. E os homens que vivem nesse mundo sofrem, né? Sofremos angústias, sofremos opressão. Porque nós temos aí os principados de potestade, os dominadores desse mundo, que domina sobre nós, com o pecado e com a morte. Irmãos, como nos libertar disso? Então, né, versículo, onde estou? Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a filiação. Adoção de filhos aqui é aguardando a plena filiação. O que é a plena filiação? Quando a minha, não só meu espírito é regenerado, a minha alma estiver cheia de Cristo, cheia da verdade santificada, né? Cheia da glória de Deus, cheia do amor de Deus. Irmãos, aí só falta o meu corpo ser tomado por Deus, pela glória de Deus. Então, essa é a redenção do nosso corpo. Então, quando chegar naquele dia, queridos irmãos, quando o Senhor voltar, nós tivermos nosso espírito regenerado, nossa alma tomada por Cristo, pela realidade, aí até o nosso corpo será glorificado. Esse corpo da morte será transfigurado, será revestido de um corpo da glória. Desolé, Fernando, não havia uma interrupção em si pela internet. Alô, le Senhor Jesus, ele reviandrá, noutro corra e será transforme. E nos avô na dominação.
Jésus passait repelant ici pour arriver jusqu'ici, parce qu'il y a beaucoup de mosquitos. Parce qu'ils sont en train de dire quand que la rédemption de notre corps va arriver. Quand sera le moment que nous serons remis, rachetés? La nature, elle est désespérée parce qu'elle attend la rédemption de notre corps. Et frère, où que je vais arriver, c'est que ce monde est corrompu. Je vais déjà préciser à vous. Nous avons un problème dans l'Église par rapport au gouvernement. Quando Dieu a donné l'enseignement de l'apôtre, et quand vous rejetez cette parole, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de régné en vie. Et qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de régné, de domination en vie? Alors, quand on n'a pas cette domination, l'Église elle va chercher dans une autre façon dans le monde. La religião ela fez só. Precisa de estrutura de poder. E porque a igreja da religião, porque a igreja só só líder, ela precisa de um estrutura humana. Alô, para quando você rejeita essa palavra, a organizar-se para poder subsistir. E isso aconteceu no século II, que nós vamos daqui a pouco chegar. No perdão, um lavi. Ele traz um ponto. Nós aprendemos o modelo do mundo de liderança. E um lavi para ler. Se ele ressus, ele trotir de Satã, que te donê. Alô, Jesus, justo entrando a avançar em si. Alô, Alesi, retornei para o Hebreu, vencedor. E se... Alesi, parlez um pouco do isso. Ó, Senhor Jesus. C'est si bom écouter vous, Dong. J'ai dit au frère, c'est plus facile de moi abanner le vent pour les mosquitos, n'est pas prendre Pedro, que parler. Mais c'est très triste de voir cette scène. Cette situation de chapitre 3 de Genèse, mais c'était le moment plus triste de l'histoire. C'est une scène qui a changé toute l'histoire. Même Adam, je pense qu'il n'a pas imaginé la dommage que ça allait faire. E mesmo nós somos sim entrando de... Nós somos resultado desse resultado lá, de desobediência. Deus, ele pancou a rever, a reunir um povo. Um povo aí da história da igreja, um povo que... Que ele havia uma estrutura humana. Mas o Senhor ele nos a libertou. Ele é o Senhor hoje e nos entrando a menino a René Anvi. Nós o contei lá, chute o nome, nos aportei muito de coisas mauvais. A criação ele é entrando de gemer. A criação ela atende. Nós precisamos crescer. A palavra profética precisa entrar em nós e produzir uma transformação. Né? Temos que deixar. Nota transformação. Nota maturidade. A palavra profética vai fechar. Muito bonito, muito interessante. Não é apenas isso. No viando e ganhei uma palavra no velho. Essa palavra bezão de entrar em nós, bezão de fé um changement em nós. Era bezão de fé uma libertação em nós.
no bison de GT de Ostole Extrutur, que le inimi a mi a de a l'anterior de mim, o que le gouvernement de Cristo puissa avancer. É, dança de VC. É, por um nome, ele entrou no peixe. Por tanto que l'homme ne te parla cible, mas sento. L'homme ele te pré pour governer, mas après vient la chute. É, para a desobediência. E todas as coisas que estão entrando a rever, dans le temps là, l'homme ele é devenu vulnerável. Outra modalidade para enganar o homem que isso é governo. E la serpente ele entrou de tromper l'homme, ela fait des ela crie structure humaine pour tromper l'homme pour penser que l'homme fait la volonté de Dieu. É, e lá viva a chasse le satan da cette terre. Eu pensava que não besou dessa vida. Nous sommes nés e nous grandissons dans cette monde, nous vivons dans cette structure de um gouvernement sans vie. Nous grandissons dans cette terre, dans un scénario, dans une situation que nous sommes éduqués dans la structure, nous sommes éduqués, nous sommes formés. Alors, après, nous besoin de disputer le marché du travail, vous besoin de travail, vous besoin de battre, vous avez besoin d'être dessus de les autres. C'est ça la société. Nous sommes déjà dans cette structure de ce monde, de la société. Nous souffrons déjà par la chute de l'homme, de la dame. C'est pas une faute si nous étudions, si nous allons chercher un travail pour être le meilleur et arriver au top. Ça, c'est pas. C'est pas mauvais, c'est pas une chose. Mas ça va pas apporter le do gouvernement de Cristo. Alors, o que Dieu est en train de restaurer ce royaume dans cet univers? C'est à travers de l'Église. C'est pour ça, l'espérance de Dieu est à vous. Il veut regarder vous. Vous êtes en train de sortir dans le monde. Vous vivez dans le système du monde. O besoin de vivre, de competir pela competição. Mas na igreja, você pá como se faz essa marcha. Você precisa que ele Mateus capítulo 20. É, nos alunos de já li isso, 20. Quando esse movimento aqui não dá. Por isso que em Mateus 20, né? Mateus 20. A mãe de Tiago. Com a mère de Jacques. E de Jean, ela está lá, a DRL Sené, ela saiu de falar um diálogo com o Senhor, por com o Evangelho de Mete, seu filho, dando essa sua da minha trono. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il ne sera pas même au milieu de vous. Dans ce monde, nous avons des chefs, nous avons une hiérarchie, nous avons des directeurs, nous avons des autorités politiques, administratives. Alors, c'est un monde, c'est un monde qui a besoin d'être structuré de cette forme. C'est un monde qui n'a pas la vie pour établir le gouvernement du Seigneur. Alors, comment que Dieu va faire ça? Après, c'est à travers de l'Église que Dieu va faire ça. C'est pour ça que dans Ephésiens,
Monte que eu vou da borga em ele glis para corda crisar como se para mambra da necó. Salva como se da igreja. Como que salva a rever? Você tá morrendo. Você fala para rola. E não devam pá disputar por entre ele meio. Nós somos governados pela teta. Através da palavra. Uma coisa bela para mim. E antes se etabliam regras para mim. Se a palavra que feito só. Eu já imaginei que se torre de Deus e Dantula continua. Eu já imaginei só. Eu já imaginei que dan África os avôs de igreja que são entrando a vir dançar o mesmo comandamento. Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas vu la face. Mais ils sont. Ils ont les mêmes sentiments que nous. Ils sont en train d'aimer la parole, ils sont gouvernés par la parole. Comme vous qui êtes ici. Alors, il n'y a pas de contrat pour que eux soient comme ça. Il n'y a pas un statut, une règle. Et qui établit ça, ce gouvernement, cette organisation? C'est par la parole et par la vie. Ça, c'est le gouvernement du Seigneur. C'est un gouvernement mystérieux. Je n'arrive pas à comprendre comment que Dieu fait ça. On n'a pas une liaison contractuelle avec les frères. Mais c'est la vie, c'est la parole. Dieu est en train d'arriver qui fait que tout l'univers est un organisme vif. On n'a pas besoin d'une structure, de hiérarchie. Nous avons besoin juste d'une voie de commandement. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin d'être perfectionné pour être membre du corps de Christ. Pour cela, en Ephésiens ou Hébreu 2, c'est pour ça que Dieu nous a créés pour être couronné, pour soumis toutes les choses. E rien Dieu a laissé sans que nous ne pouvons pas dominer. Mais nous ne pouvons pas soumettre toutes les choses. Et maintenant, nous n'avons pas la condition, comme qu'on va faire. Mais grâce à Dieu pour le verset 9. Mais il y a un homme qui est capable de faire ça. Et de nous amener à faire ça. Qui est cet homme? Jésus. Jésus, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est le cara. On peut vous voir. Mais c'est lui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Vous savez que Jésus était fait mineur que les anges. Il était couronné. Nous le voyons couronné de gloire et de l'honneur à cause de la mort. Il a souffert afin que par la grâce de Dieu, il a souffri la mort pour tout. Porque convinha que aquele, aí eu vou voltar para lá, né? Convinha que aquele, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, né? Ele convenha no fato que ser lui por que e par que são todas as coisas e que vou conduzir à la gloire beaucoup de fils. Élevant à la perfection par les souffrances, le prince de le salut. Alors Jésus-Christ, il était le précurseur. Christ homme, il était couronné de gloire et de l'honneur. Il a vécu ici dans cette terre, il était soumis à la volonté de paix. Et alors, il a fait toute la volonté de Père. Le Père, il a ressuscité, il a fait un homme parfait. Il était maintenant, il est couronné de gloire et de l'honneur. Et il est au-dessus de toutes les choses dans cet univers. Il est à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, il est en train de nous perfectionner pour conduire à la gloire aussi. Et lui, c'est le... Le
Mefisne. Eu pensava que eu não lei surgido lá com Ferrons. É, conduí. Agora com vocês. Le Senhor Jesus, ele é o primeiro, né? Amém. Alô, nós somos os outros que vêm de Riel. Alô, Gabriel. Tá se bom, já jamais pensei que você ter se difícil. Você sabe que Jesus entrando e transcrever isso. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo, né? Que o Senhor possa continuar nos conduzindo. Doer só o Senhor, por difícil. Passou por esse processo em primeira mão, né, irmão Pedro? Já passei por esse processo. Difícil, ele é ter o primeiro. Ele é ter coronê. Mantenão, você não te for. É a nossa vez. Você não te for. Nesse nosso tempo, o Senhor levantando os adolescentes. Hoje nos avunda, no tom, o Senhor, ele é. Ele é. Milhas adolescentes. Esse é o anelo deles, irmãos. E esse também precisa ser o anelo de nós, capitães. Tá, se ele deside os adolescentes. Tu deixou o dominação do Senhor Jesus. E mantenão, o Senhor, vou que tu não. O Senhor está nos conduzindo. Ah, ele é mesmo deside. Ele é capitão e tu lemão. Você precisa que o Senhor é entrando e conduzir a nós. Você precisa que você parola, ele é entrando e nos alinhar. Nós devemos estar em harmonia, estar na mesma direção, não podemos estar entre nós, estar na mesma condição. O besoin é permitido estar conduzido para o Senhor. Como o fiz estar conduzido, no besoin aussi, de permitir o Senhor conduzir a la glória. Nós estamos entrando estar conduzir a la glória. O resultado final será conduzir a la glória. Nous serons ensemble avec le Fils. Le Père Pedro, il a parlé. Vient un sentiment de croire. Je crois en ça. Pourquoi un homme qui a été fait pour un peu de temps est mieux que les anges, il était couronné de gloire et de l'honneur. Alors, ce processus. Esse processo, o Senhor, ele é ter o primeiro. Alô, Senhor, te tu. Não podemos ser assim, couronné de glória e de honor. Se tu na habitação coletiva. Chacun de nós aqui pode ser conduzido à la glória. Não podemos ser conduzido à la glória. Je peux être conduit. Vous croyez en ça? Parlei, je peux aussi, je peux être conduit à la gloire, être couronné de gloire et de l'honneur. Vous croyez en ça? Alors, gaspillons un peu de temps aussi. Qui veut ici être conduit à la gloire? Qui veut être. Qu'est-ce que ça veut dire glorification? Pour nous comprendre un peu plus que les choses de Dieu sont organiques. Parce que nous aussi, il y a encore une tête carrée. Nós somos trilógicos. Não precisamos da revelação para entender o que é ser glorificado. Então vamos lá para. E no besão da revelação, por comprando isso. João, no versículo 5, 17, versículo 5. Claro, né, na sua oração, antes do Senhor, ele pediu por Pai. Né, ele falou assim: ele é clésse, ele é demander ao pé, e maintenant, toi, pé. Glorifie-moi auprès de toi mesmo. Pela glória que já vê auprès de toi avant que le monde fût. Le monde existiu. Alors, como que Deus pode glorificar o homem? Parce que Jesus ici, ele était en train de prier como nome. Jesus, como Dieu, ele était dans la gloire. Mas ici, ele était como nome. Alors, se nous pouvons voir ici, Jean 14. Jean 1, não, 1, versículo 14. Vimos a sua glória, ah, ici. E a palavra é ter feito cheio. E ele habitou para mim, plein de graça de verdade. E nós vamos contemplar essa glória. Uma glória como a glória do Fils único venu de Pé. Alors, le Pé, c'est la própria glória. Alors, Jesus, como nome, ele a prié a Deus, devia morrer
Pé, vá me glorifique. Pé, glorifique, amor. Nem me espada na mão. Tá na mão. Não é me dar um elogio. Glorificar aqui, irmãos, é... Glorifique, você pode nem um elogio, um sorriso, uma gratificação. E se diz, glorifique, amor, avec la gloire que já vê avant la fundação do mundo. O cara que estou entrando disso, essa coisa misteriosa, e por certas coisas misteriosas, que se a glória de Deus, como a Deus se a própria glória, eu vou introduzir a mim mesmo. Não se vão glorificar. Você sabe, pode que o Senhor vá nos dar um recompenso, coisas materiais. La glória de ser introduzida na própria pessoa de Deus. Je sais pas como expliquer, mas é uma coisa tão profunda que eu vou poder imaginar. Que o mundo nos a montre como do a pancia. Le mundo nos a trompe. Alô, você precisa que nós vamos para a vó. O que significa o homem glorifica a Deus? Um homem glorifica a Deus quando o homem faz louvo que Deus dá a lui por fé. Quando Deus acorda o homem novo e vos fez, esse homem fez a louvo da cor da vontade de Deus, como ele a donou, você está entrando e glorifica a Deus. Um homem se dando a igreja, entrando a ponta e glorifica a Deus. Jesus Nazareno foi o homem aprovado por Deus. E se ata deve se vandou. Depois do batismo de João, Deus conseguiu, ele viu no meio de mim. Atos 2, ao qual Deus ressuscitou. Vamos lá, vamos ler. Eu queria ganhar tempo, mas vamos lá. Atos 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Homem israelita, escute essa palavra. Jesus de Nazaré, você toma aqui de honra de testemunhagem de Vanvu para o miracle, le prodige, le signe, que lhe operei par lui e o milieu de vous. Como vous le savez, vous mesmo. Você toma. Por que Jesus é ter aprovado par Deus? Mas que ele rien fazer par lui mesmo. Ele fez duas coisas da qual a vontade de pé. Ele não pode jamais utilizar essa própria capacidade. Tá? Então, aí que aconteceu? Deus, né? Versículo 24. Você precisa que Deus é logo farmoiando ele. Deve se levantar. Deus a ressuscitou. En le délivrant le lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Le chapitre 13, verset 33. Dieu l'accomplit pour nous, les enfants, en ressuscitant Jésus. C'est ça même. Selon ce qui est écrit dans les psaumes 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'a ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous les donnerai les grâces, sainte promise de David, à ces grâces qui sont assurées. Quando Cristo te ressuscitou, ele deu admitir Jesus a l'intérieur de lui. Ele admitiu por fazer parte de seu corpo. Essa admissão significa que ele é o primeiro-né. Se ele é o primeiro-né, nós somos os outros. Que vão seguir a lui. E dans cette ressurreição, ele a glorifica.
fiei a Jesus. Né? Rapidamente. Salmo 2:7. Ó Senhor Jesus. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1. J'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hébreux. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu es meu filho, eu hoje te gerei? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il a dit à des anges, c'est lui qui a fait ses anges devant. Non, c'est juste le 6. Ah oui. De plus, il a dit à des anges, c'est lui qui a fait des anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre. D'équité. Dieu a fait de Jésus à ceux qui va gouverner et va dominer tout l'univers. Il a été fait pour ça. Il a été constitué roi. Et nous pouvons voir ici le Psaume 2, verset 6. Versículo 8, pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Moi qui a honra sur Sion, ma montagne sainte, j'ai publié le décret. Irmãos, ele depois de ter sido glorificado, né, ele foi feito rei. Ele deu já tu le briseras avec un verge de fer. Tu le briseras comme un levade d'un portier. Maintenant, Dieu a besoin aussi maintenant de mettre toutes les choses au-dessus de notre pied, de l'Église. Les choses ne sont pas encore sous notre domination, ne sont pas remplies de Christ. Pour ça que nous avons besoin d'être remplis de Christ. Alors, allez-y retourner à Jean 17. Ici, va nous montrer où que Dieu veut nous amener. João 17, vamos lá ver. Oh, Senhor Jesus. Deixa-me ver aqui. O versículo 6. Le verset 6. Manifestei o teu nome aos Aleluia. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné do milieu do mundo. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Il existe un groupe de personnes que le Père a donné pour le Seigneur Jésus. Cet groupe, c'est l'Église, qui sont vous. C'est vous qui êtes en train d'écouter. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette personne ici? Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçus. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. La parole que nous avons reçue tous les jours, cette parole vient de Christ. Mais dans la vérité, cette parole vient de Dieu. La source, c'est Dieu. Ici dit, ils ont reçu. Vous avez reçu la parole. Et vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous croyez en ça? C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, parce que le monde était corrompu. Je veux établir le royaume en vie, le Seigneur dit. Je veux établir le royaume pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas le monde, nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes de Dieu. Toutes les choses sont à toi et je suis glorifié.
en nous. Je suis glorifié en nous. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient, un comme nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dieu veut nous introduire dans la gloire. Et la gloire, c'est lui-même. Et cette introduction dans la gloire, il faut passer par un processus de sanctification. Et la sanctification, c'est par la vérité. Et la parole de la vérité nous sanctifie. Cette parole nous va nous purifier. Et cette sanctification, ce travail de la vérité, de l'amour, c'est pour faire quoi? C'est pour nous insérer en Dieu. Quand nous sommes insérés en Dieu, nous pouvons réjouir d'une unité jamais vue parmi les êtres humains. Ce n'est pas une unité de penser la même chose. Nous avons une affinité. Ce n'est pas ça. Nous mangeons ensemble. Ce n'est pas cette unité. Ça, c'est une unité organique. Ici, dit pour qu'il soit un comme nous. Comme les pères et les fils sont un. On peut voir ici. On va sauter au verset 21. Afin que tu sois un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eu aussi sois un en nous. Como ça marche cette unité? Explique. Mon intelligence, ma logique, n'arrive pas à comprendre. Como ça marche cette unité que Dieu veut introduire? Como je suis en toi et toi en moi. Le fils est dans le père, le père est dans le fils. C'est la unité, c'est un mélange, ça fait partie de la même chose. Il y a des frères ici que vous avez jamais vu, mais par la vie, nous sommes un. C'est cette unité qui va nous lier. C'est pour ça que dans les premières Jean, il dit que la parole de la vie que nous annonçons fait que nous avons la communion par un avec les autres. La communion, c'est avec le Père et le Seigneur Jésus-Christ. La communion de vie, cette circulation de vie, même avec les gens que vous n'avez jamais vus dans les autres continents, ça va produire une unité en nous organique. Mystérieuse. Vous jamais vu des gens dans l'Afrique, des autres lieux là, mais nous sommes un. Ça, c'est un mystère, c'est merveilleux. C'est ça que Dieu est en train de produire entre nous. Ce n'est pas une question de donner un abraço. Um calão, você põe uma questão do meu calão. É, por favor, cette unité, nous besoin de le travail de la gloire. Alors, Dieu est en train de glorifier nous. Por que objetif? Por nous devenir un. Cette unité mystérieuse. Ça arrive à travers de la gloire. Quand nous sommes glorifiés et nous sommes encercés dans la gloire, nous avons cette unité. Sanctifie-moi par la vérité, ta parole est la vérité. Afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eu aussi sois un en nous. Porque le monde croit que tu m'as envoyé. Vraiment, il y a beaucoup de choses pour parler.
se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Lorsque je te vécu dans le monde, je le gardais en ton nom. Je gardais ce que tu m'as donné. E o candor nesse período. Se não le fiz de la perdição, afin que l'écriture fût accomplie. Vous faites parte de cette personne ici, que le Père a gardé? Je vais faire partie. Et maintenant, je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient eux-mêmes la joie parfaite. Je leur ai donné la parole, ta parole. Et le monde les a eu. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas dans ce monde, frère. Como moi, je ne suis pas do mundo. Para a entrada dos principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, por l'entrée de dominação, espalhou a morte para todos os irmãos, tenebra, la mort entrée par la chute de l'homme através do péché, mas o Senhor veut enlever. Alors, vous ne faites partie de ce monde. Moi, je ne fais pas partie de ce monde. Alors, le verset suivant. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous sommes gouvernés par la parole. Nous ne sommes pas gouvernés par la structure de ce monde. Nous n'avons pas de hiérarchie, structure que nous soyons organisés. Mais nous sommes gouvernés par la vie et nous sommes membres du corps de Christ. Quando je parle que nous besoin de croire dans la parole prophétique, no ano passado, 2023 e começo de 2024, au début de 2023 e 2024, on avait beaucoup des attaques. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous n'avons plus de difficultés. O Senhor conseguiu restabelecer. Le Seigneur arrivé à établir le premier point. Le premier point, frère, quando foi atingido, quando ele était dommagé, ele était responsável pela degradação. Até o dia de hoje. Depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui, graças ao Senhor, 2023, 2024, que nós estamos tendo, né, essa unanimidade. Está duré, né? Diz que ela é 2023. Maintenant, le Senhor entrando no santifique. Nous ne sommes pas dans le monde. Le monde croit. E le système de le monde, c'est la démocratie. Capítulo 1, que diz assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Ele é a primeira corintiana que diz: je suis de Paulo, je suis de Cefas, je suis de. C'est ça le monde, fait comme ça. C'est pas comme ça dans l'église. Dans l'église, le Seigneur parle sa parole à travers de son prophète. Si vous étiez du monde, vous allez adopter la démocratie. Ça, ça veut pas dire que tout le monde ne peut pas être un prophète. Graças ao Senhor, esse ponto para nós hoje é ponto pacífico. Mas o segundo. Dans le monde, il faut na hierarchie. La hierarchie, c'est une chose do mundo. Mas nós não somos pas do mundo. Mas aujourd'hui, graças a Deus, nós não temos pas um problema de hierarchie. De ranking, de hierarquia. Nós não temos um sistema de ranking de hierarchie para mim. Mas irmão, nós não estamos livres. Nós não somos para livre do mundo. Entre nós. Pendant que ele há de competição para nós,
e dispute para a posição, dispute para le pouvoir, ou envie parmi nous, ou jalousie parmi nous, nous ne sommes pas encore. Nous sommes encore dans les hiérarchies. Dans le monde, les gouverneurs, ils gouvernent sur les gens. Mais ce n'est pas ici parmi nous. Ici, notre objectif, c'est de retourner la fonction de chaque membre du corps de Christ. Et chacun puisse être fidèle. Et comme ça, le corps va fonctionner. Et comme ça, nous serons livres du monde dans l'aspect du deuxième point. Alors vient le troisième point qui concerne les richesses, les ressources. Mais je vais laisser les frères parler d'abord. Ele é até pouco, é trop riche. Que maravilha estar vivendo isso hoje, né? Passe um merveille, no vivão de ouvir. Se tivesse ainda numa maneira tradicional de nos étions dans um passe um tradicional de vivre la parole. Tu sabe, você tem justo um teori. Ensinamentos, doutrinas, mas essa palavra é só um pouvinho apelado na estrutura de doutrina. Mas hoje eu nunca tinha tocado nessa parte, Gabriel, do mundo ainda. Eu já me touché dans ce monde. Então essa parte que diz é que não são pá dans le monde. Maintenant, je comprends. Le monde fait une esclavage, va. Il a. Le monde n'a rien à voir avec nous. Et ici, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas un ajustement, il n'y a pas une règle. Il y a juste la parole prophétique. Et ça nous délivre de beaucoup de choses. Et ça va nous conduire à l'unité. Et ça, c'est merveilleux. Amen, alléluia. Quando o frère fala de cette unité organique, mystérieuse, é difícil de compreender. É uma questão que a nossa mente. C'est une question de que notre intelligence n'arrive pas à comprendre. Comme ça, pour marcher, le père à moi et moi dans le père, ça, c'est pas simple de comprendre. Mas ça, c'est une chose merveilleuse. C'est dans ce chemin que le Fils est en train de nous conduire. Pour être un Dieu. Nous sommes insérés en Dieu. Ça, ce n'est pas un cadeau, c'est le propre Dieu. Nous sommes insérés en Dieu. Nous ne sommes pas en train de vivre dans la vie de l'Église une récompense. Se nós somos da igreja em train de chercher de gloire ou de reconnaissance, nós vamos ter um problema. E como o Frei André havia de falar, nós não somos pá nesse mundo. Não podemos nos permitir sermos abraçados por esse mundo. Não podemos pá permitir de ter conduzido para esse mundo. La richesse, des choses, ça c'est dangereux, frère. Nous ne sommes pas dans ce monde. Nous ne pouvons pas être à l'aise parce que nous ne sommes pas dans ce monde. Le Seigneur est en train de conduire à la gloire. Alors, pour être plus réaliste, dans le temps, nous allons sauter dans une partie de. Des boxes, parce que nous avons besoin d'arriver au troisième pied, point de tripé. Le premier pied de tripé, c'est restaurer le modèle que le Seigneur établit dans la première église générée, qui est l'église en Jérusalem, dans l'acte de 42, et de persévérer unanime dans les. Enseignement des apôtres, dans la communion, le partage de pain, prière,
Existe guide para o governo de Deus, para a circulação da palavra de Deus. E como a igreja fez isso? Se é com a comunhão. Porque a comunhão produz essa unidade, essa circulação. A comunhão dá a palavra, ressoa a voz do comandamento de Deus, a lógica de Deus, a riva, a direção pela igreja e governa a igreja para o manhã de ensinamento de la porta. Essa é a primeira pedra do tripé, graças a Deus, do Senhor para mim, ele é a solidifier essa primeira pedra. Hoje nós temos a adolescência, les entendons, le capitão, tout le monde ama la parole ici, avec foi, avec l'objectif d'exécuter l'œuvre de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est pas juste une chose pour donner un sermon, une parole jolie, mais c'est un outil pour exécuter l'œuvre de Dieu. Nous sommes ici comme église pour faire ça. Et c'est la parole qui va faire ça. E graças a Deus, esse pé é realidade para mim. E o deuxième pé, é a função do membro do corpo de Cristo, restaurante. Nós somos libertos, livres da obra de Nicolaita, por a disputa da primazia. Nos servimos, nós somos tentando servir a lesão dos outros. O Senhor nos enlevou do mundo. Não seguimos mais o modelo do mundo. Nós não seguimos para o modelo do mundo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E ser lesão dos outros. O Senhor está limpando de nós. Alô, o Senhor entrando em Neto e ele entrando de título é a jalousia, o egoísmo. La faction, la jalousie, la rivalité, la vanité, il est en train de quitter tout ça. Nous voulons juste servir le Seigneur. Et par rapport au troisième pied, quel est le souci du troisième pied? Le troisième pied, le monde, pour le fait de que nous sommes encore dans le monde, le Seigneur Jésus dit, je ne demande pas que vous quittez dans le monde. Quando é que nós somos dans le monde? Nós vivons encore dans le système monétaire, num sistema econômico, dans ce monde. Nós temos outra palavra. Nós precisamos d'argent pour survivre. Se nós savons como lidar avec l'argent, nós serons livres de cette domination. Jesus disse: Je ne suis pas dans le monde. Como eu não sou pai do mundo. Nós não somos pai do mundo. Nós devemos ravar a lumière de se surgir. Nós somos do mundo, sim, como todo mundo. E para rapor a gente, a gente que aporta todas as coisas que nos abençoam, mas como que nós podemos ser livres de la gente? O que servia lá a primeira igreja? Assim que a primeira igreja surgiu, depois que a primeira igreja apareceu, o que eles vão fazer? Um vavó aí, dá na Bíblia. Actos 2. Eu vejo que todo mundo se comprando, que o mundo, ele é venu. E você sabe que dinheiro. Ele nos amoldou dans la structure. Vous savez que les richesses, c'est un idole, c'est un dieu qui domine. Dieu est minuscule. Le monde nous a moldé de cette façon. Parce que nous avons besoin de payer les bulletins, les factures. Alors nous avons besoin de liberté dans cette domínio, o pouvoir que é a lajão. E sem perceber, lajão, ele vai conquistar no teu corpo.
O qual que existe ici, depuis quelqu'un qui ont formé, ils ont des familles, ils ont sur des marchés, ils ont un salaire, ils ont un bon poste, ils ont... Qu'est-ce qui s'arrive? Ils commencent à être consommés par l'argent. Par l'effet de la position sociale, il est directeur de l'entreprise, alors il ne peut pas marcher avec une voiture simple. J'ai dit Corsa, mais il n'a pas de Corsa. Mobi. Mas vous ne pouvez pas marcher avec un Mobi. Vous besoin de marcher avec un Audi. Qu'est-ce que ça arrive? Le monde fait que vous achetez une chose plus chère à cause pour maintenir votre statut. Et vous avez besoin de travailler plus. Et tout le monde a une maison de plage, maison de chão, maison de la ferme. Vous remarquez ça, comme le monde fait? Et peu à peu, il va nous consommer. D'une façon que vous n'avez pas le temps pour le Seigneur. Vous n'êtes pas créé pour ça. Ce pas signifie que vous ne devrez pas avoir un BMW. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce pas ça le problème. Je veux juste montrer, pour faire attention, que le monde ne peut pas vous consommer. C'est ça que je veux dire. Parce que l'argent, ele vai pouco a pouco nos consumir, nos dominar. Ele vai prendre cor pouco a pouco. Alors, como que os primeiros membros da igreja ganharam aquele impacto tão grande no dia de Pentecostes, começaram a viver uma nova vida celestial? Como que eles vão começar a viver uma nova vida celestial? Um povo vosso. Como que eles começam a viver um breve da lei royal celestial? Vamos lá, vai sim, na Bíblia. Atos 2, versículo 44. Atos 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leur propriété, leur bien. Ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Eles vão render conta. Por que j'ai besoin de ça? J'ai besoin de partager ça. No chapitre 4, versículo 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un corps et qu'un âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartissant en propre. Mas tudo era comum entre eles. Essa graça transbordava neles. Se eles tinham algum dinheiro, alguma propriedade, algum bens, eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. Irmãos, isso é, eles se libertaram disso. Claro que essa. Eles vão libertar do mundo, da estrutura do mundo em si, que não podemos ver. Esse é um princípio que não podemos ver, que tudo que nós avons é pelo Senhor. Mon argent, ce n'est pas pour être dominé par l'argent, c'est pour le Seigneur. C'est pour ça que dans la première lettre, o Timothée, ici, vai lá, ici, 1 Timothée. Versículo 9 diz assim, versículo 8 diz assim. Bom, vou ler desde o versículo 6. Vai. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos carne não vão rien porter dans ce monde. Il est évident que nous não pouvons rien emporter. Se donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira.
mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étaient possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans les biens de tourment. Pour ça, Fred, si Jean parle dans la première le Seigneur dit, n'aimez pas le monde. Et 1 Jean dit, si vous aimez le monde, l'amour de paix n'est pas en vous. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de paix n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, la vie, ne vient point de paix, mais vient du monde. N'est pas un péché d'avoir une bonne voiture, mais cette chose ne peut pas nous attirer. Nous ne pouvons pas être prisonniers de cette chose. Alors le monde passe. Vous n'avez pas amené un ange. Alors, ceux qui font la volonté de Dieu demeurent pour l'éternité. Vous voulez rester, demeurer pour toute l'éternité? Faites la volonté du Seigneur. Je n'ai pas le temps de lire, mais Luc 8, les femmes là qui étaient en tendance du Seigneur Jésus pour prêcher l'évangile, toutes ces femmes qui ont soutenu le Seigneur, elles étaient possédées par des esprits malins. Et Maria de Magdala, elle était chassée par sept. Il y avait sept démons qui étaient chassés. À travers de l'argent, si nous ne pouvons pas remarquer, mais nous sommes possédés. Nous devons liberté de l'argent. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur est en train de mettre le troisième pied. C'est de liberté du monde de Jésus. Comme ça, le Seigneur va avoir un chemin pour retourner. Et grâce au Seigneur, ça arrive parmi nous. Quando nous parlons ici de investisseurs do royaume, les choses sont en train d'arriver. Aujourd'hui, deux frères m'ont cherché pour enregistrer, pour dire qu'ils ont arrivé, pour dire qu'on a arrivé 300 cotes. Alors j'ai dit, 300, c'est le PIS, c'est la base, il faut 400. Maintenant, la région de São Paulo n'est pas de région séparée. Nous sommes une seule région. On a plus de 600 cotes. J'ai dit non, on a besoin de plus. Le Seigneur est en train de faire des miracles. J'étais en train de dire chercher un autre endroit plus proche pour faire un autre CPF, un endroit pour faire un CPF. Pour approcher l'église, parce que la région de Lorena, Ribeirão Preto, c'est trop long. C'est presque 7 heures pour aller de Lorena, pour aller là dans la région, pour le CPV. Mais si nous pouvons avoir un CPV plus proche en São Paulo, mais grâce au Seigneur, dans une mois, pour faire la fête là, ça a pris une mois.
Os meninos vão na propriedade puxando ser pés em Judiaí. Nós vamos apelar CPEV São Paulo, CEAP São Paulo. Por quê? É justo por incluir toda a região de São Paulo. Cette unité nos aporte grande benedição. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Dans les derniers jours de cette mois, la prochaine semaine, nous avons besoin de donner l'entrée. Et 570 000, nous n'avons pas l'argent. Mais la région 8, ils ont rassemblé quelques frais. Et dans une heure, vous croyez? Vous croyez qu'ils ont arrivé à rassembler cette somme d'argent? 550 000 reais. Dans une heure. Amém. Ça, c'est un miracle. Miracle de miracle. Et nous, du Rio, apparu. 500 mil por donner le signe, né, lá entrée. On n'a jamais vu ça arriver dans l'église au passé. Aujourd'hui, les choses arrivent vite. Je sais que le Senhor veut nous bénir. L'œuvre doit avancer. E se on a besoin de ressources financières, le Senhor va nous donner. Et maintenant, dans le final de cette message, j'ai besoin d'introduire. E relancer les sócios de l'Evangelho. Quem são os sócios de l'Evangelho? Vous que n'avez pas la condição de participar de uma cota? Nós temos que abrir oportunidade para todos participarem. No besoin, tout le monde doit être inclus dans cet investissement. E foi justo être fidèle dans le pouvoir. Les enfants peuvent participer. Uma criança pode participar com um real. Um enfant peut participer avec um real, cinq reais. Ou ne peut pas? Bien sûr que peut. Um adolescent peut participer avec 10 reais. Ainda depende da mesada, não sei se tem mesada, né? E vous, jeune, que vous dependez de votre pé, de lá. De alocação. Vou poder contribuir avec 50, 10 reais, 100 reais. Vamos fazer isso? Allons-y faire ça? On va ouvrir cette opportunité pour tout le monde. Tout le monde se pourra avoir l'expérience d'être livre. Fala com vocês. Sim, amém. Sim, amém. Mantenha-se, você está bom. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está libertação. O Senhor está nos libertando do escorpião no bolso, né? E o Senhor entrando no liberté do escorpião do nosso poste. E graças ao Senhor, acho que depois dessa fase. Eu estou mantendo, passei pelo processo de detetização e mantendo, pensando, vai nos arreter. E o Senhor vai avançar plus en plus. O Judinho nos considerou pré-Pedro da história da igreja. Tão tranquila nas últimas semanas. O Davi raconte de uma fação tranquila. Como pode, né? Como que sabe? Mas nós não víamos esses três tiros. Como que sabe por rever? Tu le troati, ele tem em si ou na pá, remarque. Por quê? Porque ela estava sangrando ainda. Esses três tiros acertaram em cheio. Ele é proatir de Satã, diz a preleglise, a questão da palavra profética, a hierarquia, que vai afetar o funcionamento do corpo, e por dernier, a questão de ressources humaines, ressources. Mas todas essas coisas, o Senhor entrando de guerrir.
Le Sion vient. Le Sion est en train de nous guérir. Nous sommes en train de récupérer de cette guérison et cette Nous sommes en train d'être guéris. Nous sommes en train d'être guéris de cette blessure. Nous sommes dans une phase. Que le Senhor entrando restaurar. Parce que nós somos dans une phase que há beaucoup de compétitivité. E se nós não avons pas um corpo do Senhor, le monde va nous dévorer. Chaque parole qui était dite dans cette conférence doit occuper notre cœur. Et que dans cette conférence, le Seigneur puisse produire beaucoup de partenaires de l'Évangile. Peut-être que ce n'est pas tout le monde ici pour contribuer avec une sauce, une cote. Mais maintenant, avec les partenaires de l'Évangile, tout le monde peut participer. Chaque membre, dans cet investissement. Aujourd'hui, qui travaille avec l'investissement, il y a un risque. Mais l'investissement dans le royaume, c'est un retour 100% sûr. Cette parole doit produire une chose pratique en nous. Nous ne pouvons pas sortir de cette conférence et rien s'arriver. Cette conférence doit générer une chose positive. Vous devez chercher les frères responsables de l'Église et devenir un partenaire de l'Évangile. J'aimerais utiliser la dernière minute pour vous qui a 25 ou 30. Valão de Davi, vamos ver partir do carro. De nós nos libertarmos do mundo, essa é a palavra que parola de nos libertar do mundo. Essa palavra é te deu hoje. Talvez você diga que não tem amor ao dinheiro, talvez o canzão de vous dit j'ai pas l'amour l'argent, j'ai pas livre. Mais vous gaspillez tout votre temps dans la famille. Vous êtes ocupé a ver com o exercício, e quando você arriver aqui, você é fatigué. Você é. Olha lá, falando, você é degoté. É degoté, né? Você é. Profatigué. Alô? Você que não pode vir da Sete Conferência? É que pensa, ah, Sete Conferência é para os jovens, diz que ele é 30 anos. Mas eu já vi falar. Mas essa palavra é para toda a igreja. Se você não está aqui, eu posso dizer a coisa do mundo. Se você está tentando escutar pela internet, essa palavra é para você. É para mudar o seu corpo. Allez-y, changer l'histoire. Pessoa deve ser dominada pela gente. Enquanto você mantém a aparência que está indo para as reuniões. On ne doit pas maintenir notre apparence, mais on doit être vraiment liberté. Le Seigneur n'est pas dans le monde, et nous ne sommes pas dans le monde. Comme le frère Pierre a parlé, nous devons traiter ce dernier tripé. Et encore, nous sommes en train de ralentir les choses. Allez-y être partenaire de l'Évangile. A lei do Nito Love. Essa palavra por nos libertar. Sendo fiéis do pouco, está em Mateus 25. O Gabriel vai ler para vocês. Amém? Essa palavra em si, Mateus 25. Amém? 21.
Que o Vant Sank Vant Nan diz. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen. Je vais donner une bonne nouvelle à vous. Encore une nouvelle. Grâce à Dieu. Vous êtes en train de comprendre le rôle du capitaine que le Seigneur introduit les adolescents avec une énergie de ordre commun. À travers de la parole, le Seigneur a énergisé cette génération en énergie de ordre commun. Et vous, jeunes, vous avez la responsabilité de profiter dessa energia e canalizar como um raio laser através da partícula de lumière. Vous pouvez mettre le vídeo ici. E vous pouvez canalizar, direcionar, ou concentrar les forces pour que vous puissiez profiter le maximum de l'énergie qui a notre adolescente pour l'édification de l'Église. Pour conduire les choses, pour être libre dans le monde de les trois aspects. Et maintenant, si nous savons utiliser l'énergie qui a les adolescents, et savoir utiliser, nous allons amener le Seigneur, apporter le rayon. Nous voulons rassembler les adolescents et jeunes. La prochaine conférence, nous allons faire une conférence tout le monde ensemble, jeunes et adolescents. Amen. Les adolescents, ils peuvent venir à mercredi et les capitaux le jeudi, mais. Mais mercredi, c'est ouvert à tout le monde. Si vous pouvez venir, vous venez. Venez. Nous pouvons aquecer les adolescents pour avoir l'énergie pour les adolescents. La parole sera la même, parce que notre adolescent, il arrive à comprendre. Alors, sera la même parole. Se há desatividade para os enfants, nós vamos fazer. Mas, dans cette conférence, todo mundo será ensemble. Moi, j'ai déjà comuniqué ça ao líder de la igreja, todo mundo está content, mas de sentiment. Nós estamos en train de inviter les entendants. L'entendants. Alors, dans ce fait, nous allons avoir une force pour travailler. Allons inviter, et comme ça, on va avoir une force, tout le monde ensemble. Et comme ça, on va apporter le Seigneur. Terceira temporada da série Missões Exterior. Palavra tem poder. No ritmo do céu, no ritmo do céu. Ó Senhor Jesus, que eles possam continuar ouvindo a tua palavra de perto. Graças ao Senhor pela obra na África do Sul, em toda a África. Irmãos, realmente isso aqui é a palavra profética nos chamando para trazer o Senhor de volta. Amém. Nosso encargo é pregar o evangelho do reino por toda a terra habitada. Amém.